Eh bien, Chalon-sur-Saône n'a pas gagné de match à l'extérieur depuis le 1er octobre 2023 et un succès face à Roanne. Oui, oui, ça commence à remonter. Quinton Hooker avec Phil Booth. Allez, à l'intérieur là-bas pour Brooks. Superbe! Brooks qui déjà... Savojevic qui discute lui de son côté avec Johan Rosso. Qui va aller attaquer le petit step back pour déclencher. Ça fait 4-0 pour la SIG Strasbourg. Quinton Hooker. Possession SIG Strasbourg. Et Hooker avec un Vernizzi. Vernizzi, le tir, longue distance à 3 points, ça fait 7-0. Mathias Markusson qui a bien absorbé le contact face à Quinton Hooker. Brooks, travail de haut panier, Brooks, main gauche, superbe. Nazir Brooks. Phil Booth, Junior et tout, Jean-Baptiste Maille, attention, il en a mis un tout à l'heure, et ben voilà, il double la mise. Il restera 12 secondes sur la possession avec Phil Booth à l'intérieur pour Daniel Akin, c'est dedans, le toucher d'Akin sur cette action. Allez, 28-20, ballon intercepté par Paul Lacombe qui avait bien lu. Sur cette remise en jeu, comment ils peuvent être aussi passifs, les joueurs de Chalon. Regardez, regardez. Cœur. Cœur, aille chercher Brooks. Darius Magui. Oh, superbe. Oh, Magui. Oh, énorme. Énorme. Flotteur, oh ouais. Qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il excelle dans ce jet. Vernizzi, le step back à 3 points, Hugo Vernizzi qui égalise. Paul Lacombe à l'opposé là-bas pour Magui, à l'intérieur pour Daniel Akin. On aurait pu penser qu'il allait tout faire péter, Daniel Akin. Il a préféré la déposer avec une si gentille douceur. Et ce sera dedans. Nikolic. Alexei Nikolic. Ah, il a perdu le ballon, Alexei Nikolic. La bonne activité de Paul Lacombe et au scoring de Quinton Hooker. Ça ne suffira pas, Phil Booth. Et ben voilà, Phil Booth qui lui aussi vient se mêler à la partie. On s'écouterait bien sûr, hein. Mais il y aura une faute sur Paul Lacombe. Il faut juste bien défendre pour Chalon. Oh, Phil Booth à 3 points, le step back énorme. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vient d'envoyer, Phil Booth, c'est exceptionnel. Oh, on voit, hein, Paul Lacombe qui a remonté le ballon à une vitesse folle derrière. Phil Booth qui crée l'écart avec...